knows anything about now. Et pourquoi pas boire de l'eau, hein? T'as déjà pensé à ça? Bienvenue, bienvenue à tous. Nous repartons dans l'enfer. Je préfère repartir à la crique lugubre et me taper des loups-gris, honnêtement. Ouais, non, sans déconner, je préfère me taper des loups-gris. Genre 4 modes. 4 modes d'un coup. Pourquoi pas? 4 modes d'un coup avec un arc et 3 flèches. Honnêtement, je me débrouille. Un arc, 3 flèches, 4 modes, ça me va. Et des modes de 6 ou 7 loups, hein, bien sûr. Je préfère faire ça que rester ici, honnêtement. Donc, il est quelle heure? Il fait jour, mais il fait nuit, honnêtement. Ah, donc on est au retour de la tempête qui s'arrête jamais. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Ah, un truc important, je voulais remercier tout le monde, ceux qui regardent encore cette série. J'avoue, on est au... Enfin, parce que c'est une sorte de let's play, aventure, survie, série, et sur YouTube, c'est pas des choses qui marchent, honnêtement. Ah, et j'avoue que de voir à chaque fois, genre, dans la journée, en fait, je le poste donc le matin, quand j'oublie pas, évidemment. Et le soir, on est à 100, plus de 100 vues, en fait. Et pour moi, c'est beaucoup, en fait. Pour moi, c'est énorme. Mais surtout dans une série où on est déjà, quoi, l'épisode 56, 57, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment énorme pour moi. Donc, merci. Merci beaucoup pour ça. Je sais pas pourquoi vous regardez. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. On va essayer de faire de l'aventure aujourd'hui, ok? On va essayer de se concentrer à faire de l'aventure. Donc, on avait laissé pas mal de choses... pour le moment ici, on avait dit que on voulait partir donc récupérer des choses au crash qui est là. Pour aller au crash, non on est là, on est bien là, on est là. On va devoir longer, parce que là il y a une montagne, on va devoir longer sur la gauche et après on va devoir monter, il y a un petit chemin. Et c'est là qu'on va pouvoir se déplacer et arriver au crash. Donc c'est ça que je voudrais faire. Mais alors est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on y va après? Est-ce qu'on attend un peu? Faut qu'on regarde un peu nos ressources. Et honnêtement j'ai un peu envie de forcer le truc en fait. On va peut-être se prendre beaucoup de froid. On va perdre beaucoup de vie peut-être. Je sais pas, on va voir. Mais j'ai envie un peu de forcer. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Même à l'abri du vent. Au moins 26 à l'abri du vent. Ouais, non, on peut pas vraiment partir encore. Il nous faudrait... Si on peut se protéger du vent et être à moins 10, un truc comme ça, ça peut passer. Ça peut passer à la limite, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Dans tous les cas. Donc, on avait dit ces objets, on allait les laisser. Parce que ça sert à rien de les prendre sur nous. On reviendra ici pour les récupérer. Ah oui, on devait pas... faire une bombe. Non. Non, c'est parce que... C'est pas ce que je voulais dire. Écrire, c'est ça que je voulais dire. Ouais, faire un... Ok, faire un symbole sur la... sur la... la maison. mon dieu. Ouais, parce qu'on n'a pas de symbole sur la maison. Ouais. Alors vite, avant qu'on meure de froid. C'est quel symbole déjà? Matériaux. Oh mon dieu, vous ne pouvez pas dresser... Oh mon dieu... C'était sans déconner. J'avais complètement oublié ce détail. Ouais, ça y est pas sur la carte. Ça y est pas. On peut pas le mettre manuellement en plus, ça c'est bête. J'aurais bien voulu qu'on puisse le mettre manuellement. Ah, on peut pas... Alors du coup, si on part vraiment, on va devoir tout prendre. Ça aussi, c'est un détail. J'ai envie de casser des choses pour récupérer du bois. Et comme ça, on aura du bois pour faire du feu. Parce que si on va se taper le froid, bah oui. Au bout d'un moment, il va falloir faire une pause. Et
faire du bois, quoi. Enfin, faire du feu, plutôt. Ah, aujourd'hui, les mots et les phrases, hein, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué, apparemment. 20 minutes pour deux trucs, ça, ça m'embête, ça. Ça, on laisse... On avait quoi, là, de ce côté? Ah oui, notre sac de couchage. Ça, les pots, on les laisse. Pas besoin de les prendre. Donc, on va devoir prendre... qualité? Ou alors, j'en avais un en plus. Non, non, non. Non, c'est celui-là qu'il faut prendre. Oui, donc, qualité, les deux scies. Et là, les métaux. Les métaux. Les 10 métaux. Les pierres aiguisées, on va pas les prendre. Quoique, est-ce qu'on a un besoin là-haut? Ah, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. On n'a pas besoin de la prendre. Donc, la fusée non plus. Donc, on va prendre ça, ça, ça. Le sac de couchage. Et les métaux. Et après, on sera bon. Après, on sera bon. Donc, on a utilisé la bombe pour rien. Ça fait plaisir. On va regarder un peu si on peut pas récupérer un peu plus de petits bois. Ok, on a un vent en pleine phase, donc ça c'est un problème. Parce que même si on se colle au mur, en fait, on sera toujours exposé au vent. Donc ça c'est un petit problème. J'aurais bien voulu que le vent soit complètement l'inverse. Ça aurait pu être intéressant, par contre. Ça aurait pu être faisable. Sauf que là, ouais, là non. Ouais, non, là ça aurait pu être faisable. Mais là, pas trop. Voilà, voilà. Ça, c'est cuit. Non, ça, c'est cru. Ah, on a même plus de... J'avais pas fait attention. On a plus de viande cuite, en fait. Ah, ça, c'est un problème, ça. On va devoir faire un feu pour se réchauffer et faire à manger. Je viens de me rendre compte. C'est le moment! C'est le moment! Let's go! Let's go! Hop, hop. C'est le moment, c'est le moment. On s'arrête pas. Risque d'entorse. Alors là, alors ça, je m'en fous complètement. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. C'est notre moment. Oh mon dieu, c'est notre moment. On va prendre ça. Alors attends, ça il faut vite changer. Valider. Attends. Pivoter, peinture effacée. Hop, ça faut le refaire parce que sinon... ouais, comme ça. Ok, très bien. Comme ça on l'a sur la map. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est le moment où on part. C'est le moment où on part. Oh mon dieu, on va prendre le bois. Un peu de bois. Ok, très bien. Let's go. Il fait combien? Il fait quand même moins 18, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors là-bas, on avait vu les cordes. On avait vu les cordes. Quand on sera en haut, on ira dessiner. Alors, est-ce qu'on peut peut-être un peu prendre un peu la vitesse? Alors après, la question, est-ce qu'il y a des endroits pour camper dans le... Les parties de l'avion détruites? Ah bah très très bonne question mon cher Watson, car je ne sais plus. Voilà, ça c'est ma réponse. Je sais plus si vraiment il y a un endroit un peu fermé et tout, où on peut prendre notre temps, faire du feu et tout. Ah, j'imagine que oui, je crois. On va voir. Alors attends, est-ce qu'on peut... Non, 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 non. Alors, on a les flèches de prête. Alors là, je pense que c'est là. Si c'est pas là, eh ben voilà. Oui, 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 ça monte, c'est là, c'est là, c'est là. Par contre, il y a un chemin là, on va pas y aller. Non, non, il faut prendre le chemin qui monte. Il faut prendre le chemin qui monte, on s'en fout des bifurcations. On va devoir se bouger un peu parce qu'il fait froid, c'est pour ça, donc let's go, let's go. En plus, il n'y a pas de vent, ça veut dire qu'on peut faire du feu. Du feu où on veut. Donc, c'est cool. Hé hé ! Ça va faire quoi ? 3 épisodes qu'on n'arrive pas à avancer ? C'est bon, on est reparti, là. On est reparti. C'est reparti pour l'aventure.
Ah, si jamais, petite parenthèse encore par rapport à la survie, si jamais des gens ont des solutions pour la sauvegarde qui lag, ce serait vraiment le bienvenu. Me sortez pas. Bon, il faut recommencer une survie. Non, 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 je voudrais pas. Je voudrais tout, mais sauf ça. Ouais, parce que c'est quand même embêtant. Je sais que j'en ai parlé beaucoup de fois depuis récemment, mais si jamais quelqu'un a une solution, ça serait vraiment la bienvenue. Ils ont enlevé l'événement. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Ils ont enlevé l'événement, là, de ce qu'ils avaient rajouté. Ah, et ça a pas corrigé les problèmes. Ça lag toujours quand ça sauvegarde. Donc c'est vraiment une mise à jour et qui est restée et qui merde le truc. Donc c'est un peu un problème. Honnêtement, c'est un problème. Bon, alors, à se bouger les fesses aussi, il faut faire quand même un peu attention. Ah, dis-moi que c'est une grotte. Ah, yes. Ok, ça veut dire qu'il y a possiblement un ours qui est quelque part. Grotte de la crête à Bolole. Oh, photo instantanée. Lire. Voilà ce que je vois... Pardon. Voilà ce que je vois tous les jours au boulot. La radio du service météo avec un peu de musique quand c'est possible qui a besoin du continent. Bah moi, parce que quand même il y a Amazon et tout, c'est bien cool. Ah bah ça va, c'est où c'est qu'on campait en fait, donc ça va être super simple pour trouver le... pour faire le dessin. Comme ça. Alors est-ce qu'on peut se réchauffer? Yes, yes. Ok, donc on a avancé, il fallait faire 3 pas, ça prenait genre 5 minutes, mais avec le vent, avec la tempête et tout, on savait pas. Ça prenait, mais sinon ça prenait 3 pas hein, de se mettre là, c'est abusé. Sinon, on est à 46 kg, ça m'embête d'être aussi lourd. On pourrait faire une pause nourriture, mais on va pas encore le faire, je vais attendre, je vais faire la pause nourriture en fait vraiment au dernier moment. Si vraiment on a besoin de faire de la nourriture, de l'eau et tout ça. Parce que j'ai envie d'avancer honnêtement. Ouais, j'ai envie d'avancer. Bon, déjà on a une grotte là. J'ai envie de dire on devrait dessiner la grotte. Ouais, j'ai envie de dire on devrait dessiner la grotte. Ça nous réchauffera un tout petit peu et au moins on aura un point de repère. On aura un petit point de repère. On va se baisser. Alors après, il fait pas extrêmement chaud. Hein. Ok, très bien. Crête brûlée. Ouais, le chemin, il était à peu près par là. Genre par là, comme ça. Donc, c'est bien. Il fait combien? Il fait 16 degrés. S'il y a une grosse tempête, honnêtement, 16 degrés, c'est pas assez. Hein. On aurait froid. Hein. Mais bon, on a du bois. Et après on a le... comment ça s'appelle? Hello, bonjour. Le sac de couchage. Ah ouais, ça bon, on commence à avoir les parties de... Si on faisait camp... Ok, bon, on est sur le chemin en fait. Bon, on va faire un truc. C'est qu'on va faire un camp dans cette grotte là. On va faire camp dans cette grotte là, parce qu'en plus il va faire bientôt, il est à quoi, midi. Le temps qu'on fasse tout le tour des avions et tout ça, il sera tard et tout. Donc on va tout déposer ici, et ça sera notre camp ici, ok. On va faire ça. Comme ça on ira plus vite, parce que là on est quand même bien lourd. On est quand même bien lourd. Hop. Hop. Très bien. On va en jeter une seule. On va jeter ça aussi. Très bien. Bon, pour le moment, on n'en a pas besoin parce qu'on a ça. On a 600 calories. Ah, quoi qu'on peut le manger maintenant. On a de l'eau. J'ai envie de dire. Ok, très bien. Ok, parfait. Après, qu'est-ce qui pèse le bois? Ne dis pas que le vent se lève. Ok, très bien.
Elle est pas trop fatiguée, donc on va pouvoir sprinter un peu. Là, on a quasiment rien. On va prendre le bois un peu aussi sur le chemin. Faire attention qu'il n'y ait pas de loup. Ah, on n'a pas le sac de couchage à noter, hein, qu'on n'a pas le sac de couchage dans l'inventaire, donc on va pas pouvoir vraiment faire peur aux animaux. Non, il faut faire attention. Ok, maintenant je vais un tout petit peu moins parler. Pour écouter, parce que si jamais on n'a pas des ours et des trucs qui traînent. Okay, on va d'abord aller là-bas. On a l'air d'être tranquille. On va tout prendre pour le moment. On fera le tri après parce qu'on a froid. Okay. On va tout prendre. Là, je crois qu'on a créé une sorte de passage, en fait. Parce que normalement, on peut pas y aller, parce que la porte est fermée. Je crois que la porte, on peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Je suis pas complètement sûr de ce que je dis. C'est le moteur. C'est une pierre, je crois que c'est un charbon. Il y a une maison là-bas, je vais aller voir vite fait. Pas encore. Là-bas on a du loup, là-bas on a une maison aussi. On va prendre ça. On a la maison, elle était en bon état ou pas? Là-bas, ça c'est des débris. Non. Cette maison. Non plus. Il y a peut-être un sous-sol à celle-là. Je sais plus vraiment. Mais il y a peut-être un sous-sol. Où on peut se... se cacher. Faudrait aller voir. Mais faudrait aller voir quand il fera un peu plus meilleur. Quoi. Parce que là on se réchauffe nulle part en fait. Mais y a rien. Point de vue de nourriture, on n'est pas aux anges. Non, on va falloir faire attention. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je voudrais bien trouver des... les rouges. De pantalon thermique, là. Il est où, son bleu corbeau? Il faudrait un peu de nourriture, en fait. Commence à faire beau, hein, il fait jour, hein. Il fait bien jour. On peut, je sais pas, ça a l'air d'être bien bien jour, on peut peut-être faire du feu avec la loupe. La loupe. Il nous faudrait à manger, je voudrais bien trouver de la nourriture.
faut vraiment bien trouver de la nourriture. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, et après, il faudrait... Si on veut continuer, si je dis pas de bêtises, c'est par là-bas. Attendez. Ouais. C'est par là-bas, et on arrivera devant la montagne. Après, je crois qu'il faut bifurquer vers la droite. Et longer la droite, et c'est bon. Ouais, je crois que c'est ça. Mais par contre, j'ai quand même envie d'aller vérifier la maison qui était de l'autre côté. Avec le loup. À la limite, on pourrait même tuer le loup pour faire de la nourriture. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas grand-chose. Ça pourrait être une solution. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de, de lapin. Il n'y a rien du tout. On va aller faire un peu de feu et faire cuire nos steaks déjà. Ah, et faire de l'eau aussi. Ah là, on prend des dégâts, hein. On prend beaucoup de dégâts, mais on n'est pas... Ça va. L'hypothermie n'est pas trop grosse. Ok. Pouh, eh ben. Attends, c'est où la limite? On peut faire un feu ici. Je crois qu'elle est fatiguée. Ah non, pas trop. Ah merde, attends. C'est vrai que c'est considéré comme en intérieur en fait. Ça, ça c'est un peu bizarre, c'est considéré comme en intérieur, à l'intérieur de la grotte, bon ce qui est normal, évidemment. Mais donc il n'y a pas de lumière, mais si on est vers l'extérieur, bon apparemment la lumière passe. Mais si on est dans des petits cabanons là de pêche, alors qu'ils sont tous fermés, hein, la lumière passe pas dedans, et ben ça marche avec la loupe. Vous voyez c'est inconsistant, ça c'est embêtant ça. Là c'est un peu le côté inconsistant du jeu qui me... m'embête en fait. C'est juste pour éviter d'utiliser les allumettes, honnêtement. C'est juste pour ça. Comme ça, on est tranquille niveau allumettes. Parce que bon, on sait pas si on va en trouver. On en a déposé un peu partout dans la vallée. J'ai pas trop envie de tomber à court non plus. Oh, yeah. Très bien. Ah putain. Hop. Trente minutes. Ok, très très bien. Attendez, on va refaire un peu le camp là, parce que c'est un peu n'importe quoi. Juste mettre de l'ordre, parce qu'on va devoir rester ici pendant un petit moment. Voilà, très bien. Très très bien, ok. Voilà. Ici, on va mettre le bois. Voilà. Ça. Hop. Hop. Attends, on a
va le boire. Là, on a encore un gibier cru. Ah oui, c'est celui-là qu'on avait récupéré, donc on en a 3. Ok. Voilà, et maintenant, je voudrais placer ça. Voilà, regardez-moi ce camp. C'est pas beau? C'est pas beau, ça? Ça, j'aime bien. Ça, là, 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 on s'amuse. Et le feu... Voilà, on est... Non, nous, on est... Voilà, là, on est à l'extérieur. Attendez, il y a le vent qui me... Enfin, il y a le feu qui me... Ouais, non, c'est là, la limite. Ouais, non, c'est bon, on est bon, on est bon. On est tout à l'intérieur, c'est tout bon. C'est juste pour être sûr que le vent fera pas... repoussera pas le feu. Alors, on a vu qu'on avait... Non, nous, on a un pantalon peau de serre. Là, on a quoi? On a un pantalon de combat troué. Compagnon de combat troué, c'est... C'est pas mal. C'est pas intéressant pour nous, hein, mais... C'est intéressant de l'avoir trouvé, déjà. Après, on a quoi? Alors là, on a un gilet. Pas vraiment intéressant non plus. Après, on a donc 2 sous-vêtements thermiques complètement détruits et on a un sweatshirt détruit. Ah! C'est quoi les mieux? Ah, mais non, non, c'est les chaussettes d'escalade, je suis bête. Ah, non, non, non. Okay. Bon, bah, on a rien. On a rien de, on a rien de bon. On a rien de bon. Ah, presque, hein. Presque, presque, presque. Recycler, c'est 20 minutes à chaque fois. 10 minutes. Ouais, non, on a rien de potable. Ah, c'est embêtant, ça aurait pu être cool. Ça, on va les jeter aussi. On va manger. Donc, il nous faut encore un peu de bois et il nous faut de la nourriture. Non, la nourriture, on peut pas... Y a rien. Y a rien à faire. On va devoir aller de l'autre côté et chasser. Ah, il fait pas froid. Non, on va y aller. Par contre, il faut qu'on finisse notre steak. Il y a 20 minutes, là, on n'aura pas le temps de faire aller-retour. On n'aura pas le temps, donc on va le finir. On va regarder. On va récupérer du bois un peu autour. Le temps que le steak soit cuit. Et après, on va ressortir et aller fouiller la maison. Je veux juste regarder un peu pour du bois. Là. Ouais, je pense qu'on a tout pris. Bon, bah voilà, ça se passe bien. On a repris un peu le côté de l'aventure. Et là, on s'approche. Honnêtement, on se rapproche facilement hein, du Mont Timberwolf. Donc, ça va. Ah, le steak, il doit être prêt, honnêtement. On remonte.
On remonte. Ah, mais je suis content. Je suis content. Ok. Bon, ça m'embête un peu pour le l'eau. Je sais pas si elle va être bonne ou pas. Allez, on y va. Je sais pas si elle va être suffisamment... Non, je sais pas si elle va s'évaporer en fait, ouais, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est facile à faire, de l'eau. Puis on a pas mal de bois de côté. Donc c'est pas très grave. Bon, on va devoir combattre. Ça bien. Je suis pas très chaud à combattre maintenant. Pas tout moustique. Ok, silence radio. Ok, voilà. D'abord fouiller la maison. Plusieurs traces de pas, mais je pense qu'il n'y a que lui. Je vais regarder s'il n'y a pas un sous-sol, comme ça on se cache direct. J'ai pas envie de tenter le diable non plus. Pas l'air d'avoir grand chose. Ah, dis-moi qu'on peut y aller. Okay, très bien. Ah, c'est juste pour être en sécurité en fait. J'avais pas trop envie de le combattre honnêtement. Vu comme ça, parce qu'il n'y a pas de, montée. Alors à un moment j'ai vu une sorte de bout de bois en fait qui était tombé en fait sur la maison. Je me demande si on peut pas grimper par là. J'ai voulu tester, mais vu que l'autre il était à notre housse, je l'ai pas fait. Mais faut qu'on teste, faut qu'on voit ça si on peut faire ça. C'est du sport, mais elles sont à 0%. Oh! Oh! Ok. Alors, on pourrait même dormir ici. Alors, honnêtement, c'est même mieux de dormir ici. Parce que ici, au moins, il fait pas froid. Mais. Non. Mais bon, c'est plus loin en fait. Donc je préférais rester dans la grotte. Normalement, c'est quand même... Enfin, c'est plus logique de rester dans la grotte. Bon, je crois qu'on a tout pris. Comme ça, on a du bois de chauffage et tout ça. Par contre, attendez, il faut qu'on regarde aussi là. Je sais qu'on voit pas grand-chose, mais des fois, il y a des objets, en fait, dans les... aux sorties. Non, je crois qu'il n'y a rien. Ok, on va se mettre accroupi. Alors, où est-ce qu'il est ? J'entends rien. Là-bas, il y a des... Ah mais non, mais c'est le crash. Le corbeau avec le crash. Essaye de voir s'il n'y a pas des empreintes de pas.
nécessairement. On a l'air d'être bon. Après j'avais vu un cadre. Ah oui là. Très bien. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui voilà c'est ça. Est-ce qu'on peut grimper? Non. Par contre on a une belle vue. On va dessiner. Une très belle vue. On va faire ça. On se reste accroupi. On va regarder là pour voir s'il n'arrive pas. Ah, bien, 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 bien. Ok, ok, ok. Bon, sors l'arc, sors l'arc. Je crois qu'on est bon. Je voudrais bien le chasser pour la viande. Il est parti où ce con? Après, j'ai vu qu'il y avait des baies. On va prendre les baies. Le bois aussi. Oh, il... Comment il est là? Comment c'est possible qu'il soit là? Comment c'est... Très bizarre. Bon, on va le faire en ligne droite. C'est... Il était caché où? Parce qu'on a... On a dessiné là-bas. Peut-être qu'il a... il était genre là, il a fait le tour, on sait rien, bizarre. Est-ce que c'était lui, la question? Est-ce que c'était lui? Il y a peut-être un autre. Bon, on va se bouger les fesses, on va récupérer sa viande. Et on se casse. Ah non, ça doit être lui. Ouais. Je pense qu'on va perdre l'eau. L'eau à la grotte. Le temps qu'on le découpe et tout. What? J'ai cru entendre encore un petit aboiement. Il y a 18 minutes avec le couteau. Allez, on rentre. On l'a fouillé celui-là? Je me rappelle plus. Je crois que oui. Hein. C'est du bois. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Je crois pas que ça vaille vraiment le coup. Parce qu'en fait, on va revenir vers où on était, en fait, vers le centre de la vallée. Et on a plus ou moins tout fait au centre de la vallée, donc... Voilà, ça c'est bien. Honnêtement, tout s'est bien goupillé. Je suis assez content. Je suis assez content. On a de la viande. J'aurais bien voulu que le loup ait genre 4, 5 kilos quand même. Là, il a que 3. Mais ça va suffire.
Après, ça devrait suffire. Bon, par contre, l'eau, elle doit être finie, là. Ça va faire au moins une heure ou deux heures qu'on est à l'extérieur. On a dû la perdre. Oh non! Il vient juste de s'éteindre, le feu. Genre, il y avait les... C'est énorme. Il vient juste, genre, à l'instant. Genre, à la seconde près, il vient de s'éteindre. Aïe, 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 aïe. Juste à la seconde près, quoi. Mais la blague. La grosse blague. Waouh, on a autant de bois. Très bien. On a le café. Bon, bah voilà. Voilà, voilà, j'ai envie de dire. Alors, fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, déjà ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, en mauvais état. On a une boîte en plus. Je crois qu'on va... On va laisser cette boîte-là. On va dessiner. Je mets tout le temps le même symbole. C'est vrai que je mets tout le temps le même symbole en fait. J'arrive pas vraiment à différencier au final. Il faudrait qu'on puisse mettre, écrire genre ce symbole là. Pour moi par exemple c'est viande plus machin plus truc. Parce que bon, les symboles ils sont un peu... bête dans un sens, genre outils. Alors outils, bon oui, c'est les caisses à outils et les scies et tout ça. Après stockage, bon c'est tout et n'importe quoi stockage j'imagine. Matériaux de quoi? Le bois? Les matériaux de construction? C'est quoi le matériau? Genre tissu peut-être? Tissu et le fer. Après il y a les vêtements, enfin il y a tout et n'importe quoi en fait à chaque fois, donc je sais pas, c'est... Faudrait pouvoir où écrire en fait. Genre après, il y a nourriture et boisson, premier secours, allumage feu. Il faudrait écrire sur la carte. Genre, j'ai mis un marqueur, et ben j'ai la possibilité de marquer, d'écrire, de taper avec des lettres, quoi. Ce que j'ai laissé. Après, on peut le faire en message, là. Ça. Mais bon. C'est où? C'est là. Mode général. Enfin, bref. Tout ça pour dire que... Ah oui, on a un sweatshirt en plus. Ah! Tout ça pour dire, il va faire nuit, elle est assez fatiguée. Est-ce que ça vaut le coup de faire un feu et de... cuire les choses maintenant, je sais pas trop. On a pas mal de bois. Parce qu'en fait elle est fatiguée, mais bah merde, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est très fatiguée. Mais on a ça à cuire. Moi, je voudrais bien après, genre demain, partir. Donc, on va faire cuire directement les choses. On va refaire un feu, c'est pas grave. On va refaire un feu. Ouais. On va refaire un feu, pourquoi? Parce que, alors déjà, je voudrais cuire les trois morceaux de viande qu'on a. Faire de l'eau en réserve, parce que si jamais il fait bon demain, on part. On part direct, parce que là on a tout fouillé, on a fouillé même en plus, parce que genre la maison avec le loup et tout ça, c'était vraiment pas sur la route. Donc j'ai envie de dire oui.
J'ai envie de dire que on a bien fait les choses. On va recycler ça, on va casser la flèche aussi. Voilà, très bien. On peut faire de la couture, on a une pierre. Voilà, on avait une pierre. Pierre qui roule, Namas Pamous, évidemment. On a ça, j'ai envie de dire, on a qu'à jeter celui-là. Faut que j'arrête de jeter les choses sur le... Sur le sac de couchage. Ah, très bien. 32 minutes, 1h40, ça c'est bien, on va pouvoir faire de l'eau aussi. On a ça à faire. Ça, on va le laisser là, ça va sécher à l'intérieur de la grotte. Il y a un brouillard énorme. Brouillard, il n'y aura peut-être pas de vent et de froid. On a ça, c'est 500, on va le manger. On va le manger. Alors après, on m'avait dit... Parce qu'on m'avait dit... mais t'as qu'à jeter le couteau, parce qu'elle utilise le couteau automatiquement. C'est vrai, mais si on utilise... Si on jette tous les outils... Genre ça... On est d'accord qu'elle peut pas l'ouvrir. Forcer l'objet... Et forcer avec quoi? C'est bizarre, ça, tiens. Bon, bah la personne avait raison, bah merci. Non, la ciel est à 100%. Ça, j'ai pas regardé les pourcentages. Donc en gros, les développeurs, ok. Alors, je vais encore me plaindre. Mais les développeurs, donc, ils ont mis un ouvre-boîte. Donc, ils passent en priorité l'ouvre-boîte. Et du coup, ça fait pas forcer la canette, là, la boîte. Donc on récupère toutes les calories, je suis d'accord, ok. Bon, nous maintenant on a cuisine niveau 5, donc même si c'est forcé, on perd pas de calories. Mais si on n'a pas d'ouvre-boîte, elle va utiliser... elle va donc utiliser le couteau automatiquement. Et si on n'a pas le couteau, elle va rien utiliser. Ma question, c'est pourquoi? J'ai envie de dire. Pourquoi avoir fait ça comme ça? Parce que je sais même pas s'il y a une différence entre ne rien utiliser et utiliser le couteau, par exemple. Je sais pas s'il y a une différence, en fait. Donc j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi avoir fait ça comme ça? Ça n'a pas de sens. Où est-ce que je veux dire? Enfin, bref. Ah, est-ce qu'on coupe? Ça, c'est plein de petits détails qu'il faudrait corriger avec des mods, quoi. C'est vraiment que ça. Hein. On pourrait faire le café. Est-ce que c'est... Non, ça sert à rien. On a déjà du café. On a déjà du café. Après, on a des... On pourrait faire du thé en plus. Genre une tasse de chaque. Enfin, une tasse du rouge et une tasse du jaune, à la limite. On a 5 thé. Non, 4, pardon. Et on en a... là, il a 47%. Ça va. Ça va, on peut le garder comme ça. C'est quoi ce bruit? Non, c'est rien. 2 minutes, 38 minutes. On a même le boulot, en fait. On
Après, on n'a rien d'autre à faire. C'est combien de temps? 7 minutes. Il faudrait genre coudre un truc qui prend genre 10 minutes maximum. Honnêtement. Oui, 1h12. Oui, bien sûr. On n'a rien qui fait ça. 36 minutes. On peut détruire des choses par contre. Ça, ça prend 10 minutes, je crois. D'accord, ça prend 20. Ça là, ça prend 10 minutes. Okay. Donc, vous savez quoi? On va rien faire. Alors, on a fait un jaune, on va faire celui-là aussi. C'est 1 kilo. Ils sont tous à 1 kilo. Et lui, on a 1000 calories à 1 kilo. On va garder celui-là. On va manger les autres. Ok, très bien. Ah elle allait parler. Elle allait dire qu'elle avait soif. On lui a mis la bouteille dans la bouche. Direct. C'était... C'est pas mal, ça, tiens. Ah, peut-être ça. J'ai envie de les garder en fait, celle-là. On les laisse là. Parce que si jamais on en perd. Ah, très bien. Du coup, est-ce qu'on fait vraiment les cafés ou pas? Parce que ça va peser lourd. En fait, c'est que ça va nous rajouter du poids à chaque fois. Parce que ça nous. Parce que 0,05, c'est pas beaucoup. Mais là, ça fait 0,10 à chaque fois. Mais après, on va me dire oui, mais il y a de l'eau quand même dedans. Oui, mais du coup, il faudrait la boire, parce que ça, les cafés, on va les garder. On les garde si jamais on a des gros problèmes. Donc, on va pas les faire. Ça, ça c'est un peu gâché. Par contre, ça, je les fais l'été à chaque fois. C'est pour ou nous réchauffer, ou alors pour récupérer des calories très rapidement, quoi. Tiens, celui-là. Celui-là, il est entamé, il est pas fini. Tiens, on va en faire un. Et aussi le fait de dormir avec le feu, c'est quand même vraiment bien, surtout ici, parce que si on a un truc encore à moins 50 degrés là, on risque de passer un mauvais moment, juste à geler dans notre sac. Il fait combien là, dehors? Ah, il fait pas très froid, comme j'ai dit, brouillard c'est pas trop froid. Si elle était pas fatiguée, honnêtement, on pourrait même aller directement vers le monde. Très bien. Donc ça, votre état s'améliore progressivement. Est-ce qu'on vraiment récupère des HP? Je crois qu'on avait regardé déjà ça. Bon bah voilà, ça avance bien. On a de la nourriture de côté, on a de l'eau de côté. On a pas mal de bois, j'ai même envie de prendre un peu de bois quand on partira. On a le métal de près, on a... Ah oui, regardez, j'ai pas bougé la souris et ça vient de la dépasser. On a les vêtements qui sont en bon état, on n'a pas de problème niveau état. Non, on est bien. On est très bien. On est très bien. Voilà. Ça, par exemple, là, c'est un ancien, c'est un très vieux, sûrement. C'est une vieille tisane. Est-ce que les tisanes, ça tourne? J'imagine que oui, non? Ça devient pourri au bout d'un moment, non? Je me suis jamais posé la question. Ça dépend ce qu'il y a dedans, j'imagine. Enfin bref. 110. Là, nous, on fait du 125. Sinon, après, tout est 125, je crois. Donc là, par exemple, celle-là, on pourrait la boire.
et après faire une autre à 125. Mais bon, je crois pas qu'on en ait beaucoup des tisanes. Ouais, que 4. Ah, on a que 4. Par contre, ça, les Raichi, on en a plein. Encore une fois. Les Raichi, faut vraiment les boire, en fait. Et comme j'ai dit, c'est ça qui est bien. On a fait ça plusieurs fois aussi. Le coup de... quand on devait prendre des cordes, parce qu'on va devoir prendre des cordes. Et quand on prenait les cordes, ce qui se passait, c'est qu'on balançait toute notre eau. Et on prenait les... on buvait les Raichi après, si on avait des problèmes d'eau et de nourriture. On prenait les thés directement. Donc ça nous donnait des calories, ça nous donnait de l'eau. C'est pratique hein, de faire ça, c'est vraiment pratique. Hein. Parce que l'eau pèse une tonne. En parlant d'eau, on va en laisser un peu ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va... Alors après, bon, on va finir l'épisode ici. Hein. Honnêtement, c'est bien, on a très très bien avancé, c'est très bien passé, je suis content. On va devoir prendre donc les morceaux de métaux. La scie, métal scie. La... Celle-là. La boîte... la boîte rouge. La nourriture... On va prendre un peu de bois et on partira. Je pense qu'on va dépasser encore une fois les 40 kilos, ce qui va nous poser un problème. Oui, c'est vrai qu'on a aussi des livres maintenant. Ça va nous poser un problème, les 40 kilos. Poser les plumes. Voilà. Jamais posé de plumes de moi-même comme ça. C'est marrant comme elles se mettent. Ah, d'accord. Je peux pas la mettre à côté de l'une de l'autre. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend plus ou pas? Je dirais qu'à la limite, non, on va pas prendre plus. Parce que comme j'ai dit, donc nous on est là. Ah, on est allé là quand même. Non, ça c'est la cabane qui était en bas où on était bloqué. Donc on a fait tout ça chemin, je crois. Pour arriver à la grotte. Puis après on est... J'aurais bien voulu dessiner. Ah non, nous on a fait comme ça les crêtes. J'aurais bien dessiné ce côté-là avec l'avion là. Enfin bref. De toute façon, quand on reviendra, quand on repartira. Parce qu'après nous on va aller là. Et là après on ira au mont Timberwolf. On fera exactement le même chemin pour éviter d'avoir des problèmes. On reprendra exactement le même chemin et on récupérera tout ce qu'on a laissé en fait. Donc on reviendra dans la grotte avec les bois. On récupérera les bois là que j'ai posés. On retournera ici, il y a des choses. On retournera aussi dans la grange. Là je crois que c'était une batterie dans la voiture. Même ici on fera aussi un tour. Donc voilà, ça, après une fois qu'on est là, honnêtement une fois qu'on est à cet endroit là c'est facile. Et on fera aussi la corde, pas la corde là, la photo ici. Et on pourra repartir, et puis voilà, et puis basta quoi. On peut partir. Alors après, est-ce qu'on repartira sur notre chemin? Je sais pas si on repartira directement chez nous, ou alors on ira autre part. Parce que la vallée charmante, elle est... Oh non, peut-être. La vallée charmante, elle est connectée à d'autres endroits, je crois. Il y a le mont Timberwolf en haut, il y a la rivière sinueuse et tout ce qu'on a fait là jusqu'au lac mystère, ça c'est pour chez nous. Je crois qu'on peut directement aller à l'autoroute côtière. Et honnêtement, j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'on a fait l'autoroute côtière dans cette survie? Je dirais que oui, c'était le début je pense. Faudrait que je regarde mes vidéos honnêtement. Mais ouais. Après, comme j'ai dit, on retournera à la crique lugubre avec dans le ravin là pour récupérer le code. Faudra faire ça. Ce sera beaucoup plus simple en plus de passer comme ça par la crique. Parce que Muskegmorn, c'est un peu l'endroit horrible, honnêtement. Mais par contre, passer par le ravin pour aller à la crique lugubre, c'est vraiment très très simple.
Parce qu'on est tout le temps en hauteur, il n'y a pas trop de l'eau. Donc ça se passe beaucoup mieux. Bon, attendez, on va faire une dernière vérification. Moins 9 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le feu il dure toute la nuit. Ou pas. Ça par contre je sais pas. Ça par contre je sais pas honnêtement. Je suis pas très confiance ici parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement de... De blizzard. Je suis pas méga confiance. Comme ça, ça devrait être bon. J'ai peut-être envie de faire une autre tisane et la boire, celle-là, pour qu'on récupère plus de vie. Qui vient de dire c'est parce que celle qu'on a est à 110 et pas 125? Qui a dit ça? C'est pas ça, c'est pas parce que ça m'embête, ces chiffres-là. C'est juste parce que je me dis, c'est bien d'être full vie, quoi. Non, mais aussi ça m'embête qu'elle soit à 110, j'avoue. Ok, on boit la tisane, on dort et on est bon. Il nous faudrait un thé pour dormir. On en a jamais trouvé, je crois, des thés pour dormir. Genre des... juste tisane, ça s'appelle-t-il, juste tisane. Je crois pas qu'on l'ait trouvé. Ok, c'est bon, on est prêt pour dormir. 110. On pourrait la réchauffer celle-là. C'est trop tard maintenant. Ok, c'est parti. Bonne nuit à tous. Ça s'est bien passé, je suis content.